de Jotunheim. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Je dois trouver Unger Boda la sorcière. Elle sait tout ce qui se passe ici. Ces bois respirent la magie des Jotnar. Les apparences y sont trompeuses. Unger Boda était ici à ma dernière visite. Elle y est peut-être encore. Qui a mis ce Jotun en cage? Tu es Aesir? Triste jour que celui où l'on doit accepter ses ennemis comme amis. J'ai besoin de ton aide. Un chasseur habite près d'ici. Il a perdu la tête et il s'en prend maintenant à ses frères Jotnar. Il a capturé et battu celui que j'aime. Et il menace maintenant de l'écorcher comme un lapin. Oh, fais preuve de pitié, aide-nous! Où est ce chasseur? Dans la maison, il dort. Tu dois te dépêcher de le tuer avant qu'il ne se réveille. Il aura sur lui la clé de cette cage. Qu'est-ce que t'as fait, ce chien? Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai. Mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir, auquel s'abreuve tout Midgard. Impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos, et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les Jotnar, nous trouverons un autre moyen. Il le faut. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée. Les réserves, où nous conservons nos plus grandes découvertes. Des choses qui ne doivent jamais tomber en de mauvaises mains. Aucun mur de pierre ne nous protégera lorsqu'adviendra le Ragnarok. Tout ce que nous avons bâti sera balayé. Nous avons longtemps pratiqué la magie dans cette tour, au point qu'elle a fini par en imprégner les murs. Le vent et la neige ont fragilisé cette tour. Nous devrons bientôt la battre. Festa með sér. Hals, næbjörn er ásjál í grítramposum. Hann er afdragðan. Havi, ton festa er prêt. J'espère qu'il te plaira. Te montre généreux et hospitalier, grand Sutum. Nul ne peut le nier. Et regarde, ton cadeau occupe une place de choix, plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour 100 Jotnar. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves? Inutile. Il se remplit tout seul. C'est ça, la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel? Vous entendez ça?
avis craint de nous assoiffer. Mon chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister? J'ai du travail. Et ton travail peut t'attendre, ma fille. Reste un moment, divertis-toi. Père, nous avons très peu de temps. Amuse-toi. J'insiste. Avi, les invités sont perplexes. Ils te savent Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix et nous a apporté un splendide cadeau. Venez!